Les cigares du pharaon. Regarde ces peintures, Milou. Les hommes et les femmes qui sont représentés ici vivaient il y a plusieurs milliers d'années. N'est-ce pas vertigineux? Un rat. Un rat ici? Mais d'où sort-il? Milou, reste ici! Il paraît qu'il s'est encore fait mordre la truffe. Ne t'en fais pas, Milou, j'arrive! Mon Dieu! Mais qui sont toutes ces momies? Ignace Roglif, égyptologue. Edgar P. Jacobini, égyptologue. Maurice Trentin, égyptologue. Lord Herbert Carnawal, égyptologue. C'est inouï. Et voilà, tous les savants qui ont violé la sépulture du pharaon Khiosk. Tous momifiés. Et malheureux, ils ont payé bien cher leur découverte. Et ces trois sarcophages là-bas, pourquoi sont-ils vides? C'est marrant. Il y en a un plus petit que les autres. Non, ce n'est pas possible. Je dois rêver. Ils sont pour nous, Tintin? Non. Non, cela ne se passera pas ainsi. Je ne sais pas qui a écrit nos noms et celui de Monsieur Cyclone sur ces cartels, mais je ne me laisserai certainement pas momifier à mon tour. Moi non plus. Il faut sortir d'ici à tout prix. Un homme à tête de chien. Calme-toi, Milou. Ce n'est qu'une statue. Mais qu'est-ce qui est accroché à son bras? Un parapluie. Le parapluie du professeur. Pauvre Monsieur Cyclone, qu'est-il devenu? Et voilà sa redingote. Continuons, Milou, nous sommes sur la bonne piste. Tonnerre! Encore une porte qui se referme sur nous. Cette fois, nous sommes bel et bien prisonniers du pharaon Khiosk. Ou de l'un de ses successeurs. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Des caisses. Voyons ce qu'elles contiennent. Ça alors, des cigares. Et qui portent tous le signe du pharaon. Voyons, où ai-je fourré celui que j'ai ramassé tout à l'heure? Ah, le voilà. Oui, ils sont bien absolument identiques. Je me demande si ce n'est pas à l'intérieur de ces cigares que se trouve la clé de l'énigme. Et que m'arrive-t-il? J'ai la tête lourde tout à coup. Oui, je meurs d'envie de dormir. Cette odeur. Je. Un narcotique. On veut m'endormir. Pour. Me momifier. Non. Cela jamais.